Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox. Salut Katox. Salut. Et du coup, on se retrouve. Alors, on s'était arrêté à la fin du tour, donc du coup, on va pouvoir passer le tour. C'est bon pour toi, s'il n'y a rien qui t'est revenu en tête depuis la dernière fois. Je pense. Non. Donc, go. Ah, si, il y a mon héros qui doit faire la descente. Ah, oui, tes héros qui cherchent les pieds-pièces dans les trésors. C'est les Morghouls, donc tu sais, il a les deux grands bras et... Ouais, j'aime beaucoup les Morghouls. Ils se baladent. Ils sont vachement sympas, je trouve. Le modèle est vraiment sympa. Que ce soit en mode héros ou en mode unité, ils sont cool. Avec la grande mâchoire, ouais. Ouais, la grande mâchoire toute déformée, les entrailles moitié qui volent derrière, fantomatiques, là. C'est une vision qu'elle est sympa à avoir. Nous... On va essayer de défoncer, de terminer les Khemri, ça sera fait, et après je pense qu'on va se tourner vers Scarbrand. Ça franchement... Ça n'a pas d'intérêt. Je pense que vu que je vois le... Tu sais le héros au elf, comment il s'appelle encore, Alastar, le lion blanc, qui arrive avec une armée 20-20 en face de mon tout petit village qui me coûte... Enfin qui me fait gagner 30 PO par tour, je pense que je vais abandonner ce petit village. Hein. Et je vais lui dire au revoir. Et c'est comme ça, il me déclarera pas la guerre. Pas besoin. Je l'aime beaucoup, mais quand même. Alors, victoire à la Pyrrhus face au Khemri, on perd des zombies et des ghouls des cryptes. Hein. On va y aller. Victoire à la Pyrrhus, ça me va, franchement. Enfin, t'as perdu des zombies, quoi. C'est ça. En échange, j'ai tué les Khemri, hein. Je pense que l'un dans l'autre. Commandement en combat plus 1 contre les contes vampires. C'est très utile. Ah, mais on a débloqué des vampires de renom. Allez, c'est parti pour des vampires de renom. Et on a un niveau... L'horreur immortelle. Trou de reconstruction plus 30% pour ce seigneur et maximum de guérison par bataille. Oui, on va prendre, oui. Et ça monte bien, hein. Ça monte bien. Alors là, est-ce qu'on le renforce? Non, on va prendre l'XP, faut qu'on entraîne cette armée. On va se recruter un nécro pour rejoindre l'armée de Von Karstein là. Tiens, chance de trouver des objets magiques, j'aime bien cette idée. Et donc on avait dit, il faut qu'on essaye de viser le puits à esprit des Banshees. Parce que ça aurait pas le coup de virer des trucs. Non, ça si je l'enlève, non. Ça je peux pas l'enlever, ça je peux pas, ça ne vaut pas le coup. Numas on va réparer, on va garder les bâtiments. Ouais. Je pense qu'on va garder les bâtiments de recrutement ici, ça sera un point de recrutement avant de partir taper sur Scarbrand qui est quand même bien vénère. Hein. Les sanguinaires, les guerriers du chaos là, il a un faucheur de sang, il level 14 déjà la vache. Nous on est 13. Mais il a déjà ses objets uniques lui. Ouais, il a déjà ses objets uniques. On va peut-être se les faire les quêtes. Les quêtes pour les objets uniques hein, parce que... Mine de rien, ça va peut-être aider. C'est vrai qu'il y a quelques quêtes. On va prendre un lancier de plus, même si bon, c'est que du lancier. Alors ici, les revenus beauf. On va prendre la croissance ici. On grossit. Ici par contre... Vu nos revenus, on va se détendre sur la croissance et on va déjà partir sur la thune. Ce sera pas mal. Ouais, l'ordre public il devrait s'équilibrer tranquillou. Ok, c'est bon pour moi, on passe le tour. Le roi qui continue sa petite exploration comme d'hab.
Du coup, tu l'as désarmé le village ou tu l'as vraiment abandonné en mode t'as cliqué pour l'abandonner? Ah, j'ai vraiment abandonné parce que sinon il va me déclarer la guerre. Ça m'arrange pas, moi. Scarbrand, il se rapproche de nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, il reste sur son territoire. Là, on a, ouais, on a quand même pour un petit tour de reconstitution minimum, hein, vu comme on a douillé. On va voir au prochain tour si c'est pas rentable de fusionner des unités et de les recruter toutes fraîches plutôt. Bah, si, s'il n'y a pas d'XP intéressante. Bah, vu que j'ai le roi revenant qui donne de l'XP par tour, elles sont quand même plutôt expérimenté quoi, mais... adepte de la discipline pour Pustule premier. Ouais, on peut se permettre de fusionner. Hein. On perd un peu d'XP, mais à la place, on peut prendre du guerrier des cryptes. Ça me paraît pas déconnant. Ah, donc t'es en train de faire des trucs. Bonjour à Jenkins. Qui garde des cryptes à armes lourdes hein. Allez hop, on prend ça. Juste à temps. Hop. Parfait. Je ne perds qu'une unité, c'est le cadavre bouffi. Normal quoi. Les flibustiers de Port-Royal qui tombent. Ça te donne des pièces de 8, c'est ça? Ouais, ça déverrouille une unité spéciale. Et c'est bien. Ah oui, c'était régiment de renom. Ouais. Ok. On a l'argent. Voilà. Voilà. Bon, Pustule premier, ce serait pas mal que tu te rapproches par ici. Quand le public reste à plus 12, ça va. Au niveau des objets qu'on a eu d'ailleurs, on a eu une potion de soin tout à l'heure. Ce serait pas mal ça, une petite potion de soin. Peut-être t'as quoi toi, potion d'endurance? Tu vas prendre la potion de soin. Non. Toi tu vas prendre la potion de soin et toi tu vas prendre la potion d'endurance. Même toi tu vas prendre la potion de soin. En termes d'auxiliaires, ils sont tous donnés. Pas de soucis. Alors, Manfred, tu t'es pas déplacé mais tu vas pas te déplacer ce tour-là. On va te ramener un nécro. Very good. Prochain tour on l'aura. Là on peut construire un truc. Du tailleur de soufre. Ouais, carrément. Et là normalement on peut aussi construire un truc dans deux tours. On va faire un petit peu de marbre, même si c'est pas ouf, hein, vu qu'on n'a pas des partenaires commerciaux de dingue. Ça va quand même aider. Ici on a 19 sur 20, c'est parfait. On va pouvoir laisser venir notre nécro. Et alors, si on regarde un petit peu nos trucs, l'épée maudite. Ce serait contre des gobelins. Il n'y a pas de renfort attendu. Ok. Ça me paraît jouable. Donc on va attendre le nécro, on va le faire. Et celle-là, c'est quoi? Du bretonien avec des renforts cette fois. Deux baisers de sang on gagnerait. Et là deux baisers de sang aussi. Et 5000 balles. Ouais, faut les faire. Faut les faire ces quêtes. 500 balles pour te téléporter. 5000 balles de récompense. Tu réfléchis pas trop quoi. Ouais, en plus après t'as 2 jours de reconstitution augmentée. Ouais. Bon, c'est que 10%. Mais c'est quand même pas mal. Bah, sur 2 tours. Ouais, oui, bah sur, sur 2 tours ça aide, mais vu que normalement là j'ai le plus 30, plus 6, plus les 5 du nécro, bon, ça relativise un peu, mais ça aide. Surtout qu'on sait toujours pas si c'est capé d'ailleurs. On avait parlé, mais. Mais le petit héros qui donne 15% de chance d'objets magiques en plus, je pense qu'il va faire plaisir. Ouais, moi je préfère l'héros qui entraîne. Parce que tour après tour, mine de rien, tu vois que ton armée, elle... J'ai commencé avec un héros comme ça. Ça se fait plaisir.
Mais là, du coup, je vais avoir le héros qui reconstitue les troupes. Et en plus, il a comme trait, en fait, c'est un trait. 15% de chance de trouver des objets magiques. C'est pas son effet. C'est vraiment un trait, quoi. Alors, le pacte de non-agression avec Arcane, non. Non, j'ai pas envie d'un pacte de non-agression avec toi, j'ai envie de te défoncer. Pour l'instant, je peux pas m'occuper de toi, certes, mais ça n'empêche pas que j'ai envie de te défoncer. Scarbrand, je sais pas ce qu'il fait. Il va chercher le nain. Mais on va aller, nous, on va aller essayer de choper ces territoires-là. Un étranger arrive. Magie noire plus 3000 et corruption du chaos dans toutes les provinces. Ouais. Franchement, corruption du chaos, on fout complètement. On a tellement de corruption vampirique que ça n'a aucun intérêt. Là, si on prend un truc où il n'y a rien du tout... Même là, ça monte pas, quoi. Là, ça monte un peu, mais ça va vite baisser. Du coup, on a plein de thunes grâce à cet événement. Qu'est-ce qu'on peut investir dans notre capitale déjà? Ce truc-là, c'est beauf. Ce truc-là, on pourrait améliorer la mine de gemmes. C'est pas mal. Et en plus, ce truc et ça. Bagarre. Bagarre, ça c'est un beau nom de ville. Allez, on prend. Alors, il faut qu'on soit pas dans la ville si on veut stepper, donc du coup... Eh, tu me sélectionnes lui, voilà. Toi, tu vas rejoindre. Valak von Sackenhoff. Tu seras... le comte... désaminé. Voilà. Et du coup, on va essayer de se faire l'épée maudite. Ouais. On peut pas la faire en auto. Non, d'office, un bataille de quête. Ouais. Par contre, la victoire à la Pyrrhus. Ah ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a quand même quelques sorts, quelques héros, mais bon, c'est pas non plus. Oui, mais t'as jamais la totalité. Bah ouais, si, justement. Là, celle-là, c'était pas marqué renfort attendu. Comme s'il y avait pas de renfort attendu. Mais on va voir. Si, t'as d'office des renforts attendus. Bah c'est ça qui me paraît bizarre, c'est que l'autre quête il y avait bien marqué renfort attendu et celle-là non, mais ça me surprend une bataille de quête sans renfort. Hein. Ça me surprend. Peut-être c'est marqué renfort attendu pour toi. Ah pour moi tu crois. Parfois dans les quêtes ils te refilent des renforts. Ouais c'est vrai, des unités gérées par l'IA, bon on va voir écoute. Hein. Alors, massacrer autant de pauvres près d'un pied de pouvoir devrait mettre le comte en bonne position pour ses énergies nécromanciennes à l'intérieur de l'artefact. Il doit détruire ce chaman gobelin et ses sous-fifres qui défendent le pilier, et ce, avant qu'arrivent les renforts pauvres. Oui, donc on a bien des renforts qui arrivent. On est d'accord. Ouais, donc en gros, il va falloir aller les chercher, quoi. Et bien. De toute façon, ils ont des archers et deux catapultes à plongeurs, donc de toute façon, on va aller les chercher. Voilà. La zone a l'air d'être assez sympa. Allez, on va voir le petit dialogue. Look how the insects gather around the arcane fulcrum, chanting their pathetic rituals. We shall slaughter them in its shadow, ensorcelling the pillar of bone with necromantic energy, and then Mind Blade will be bathed in unholy power. It is time. The dead march! Et on considère que c'est un vampire et donc il a la gestion de tous ses, de tous les morts qui sont sur, sous son contrôle. En fait, il s'est fait un monologue et il s'est fait auto-applaudir. C'est important que les gens soient motivés. Ah ouais, là, c'est clair. Alors, toc toc toc... Je te fournis les unités rapides. Ça te convient? Yep. Bah une un flanc d'approche. Alors. Que tu voudrais que je prenne ou celui? La seule unité qu'on a en avant-garde c'est ça, donc c'est pas intéressant. C'est globalement kiff-kiff. Hein. Vers la gauche, il y a un bâtiment qui fait un peu chier éventuellement.
Donc je pense que je vais y aller plutôt frontalement droite à mon avis. On voit pas tout, Voilà. normalement il a des tireurs aussi qui doivent être planqués, et puis peut-être un ou deux autres champions. Mais j'ai placé la meute funeste planquée dans le bois. Au Yes. pire, s'ils avancent, je pourrais faire le contour pour choper les catapultes. Et s'ils avancent pas, ce que je peux faire, c'est les faire sortir pour essayer de les déranger un petit peu. Et je passerai par le flanc. Enfin, je passerai par la gauche. Enfin, c'est des îles de la gauche par là. Voilà, comme ça. T'as pas de doute. Ok. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Ça me Au va. final, c'est un concept. Alors, ok, on a déjà des renforts qui arrivent. Et c'est de l'orque noir. Pas de soucis. Oh! Ça se réorganise. Du coup, on va charger. Il a accroché les Wargeist avec les catapultes. À gauche, il y a une armée, il y a une belle armée rapide. Plein de gobelins sur loup et compagnie là. Tu veux que je revienne avec les chevaliers noirs? Ah bah juste ils sont en train de te courir après, je pense qu'ils vont te rattraper surtout. J'avoue, waouh, j'en ai vu deux moi à la base. Je t'envoie du lancier et quelques unités un peu plus efficaces. Ah, il y a du Sauf que c'est gobelin beaucoup trop rapide. là. Bon, bah va falloir Non, charger, je crois. Parce que. Pas trop le temps de buller là. Manfred, mon cher. Est-ce kill? C'est pour toi. On va envoyer une chariote par là. Faut pas vous arrêter comme ça, faut changer là. En avant. C'est bon, ça craque par là-bas. Je décolle les Wargeist parce qu'elles se font défoncer par les catapultes. C'est un enfer. Manfred, gauche. Le nécro, il est au contact. Ah mais pourquoi est-ce que tout quand toi tu lances des sorts, c'est toujours la sinécure, lui lance un sort, il chope une varguée, c'est ta catapulte, il en chope 4. C'est honteux. Ici, faut y aller là. Le nécro, il est là. Manfred, tu viens par là. Toi, go. Oh non, la caisse, on s'est dépouillé ici. On s'est fait dépouiller sur ces flancs là. Their time has come. As swift as death's wings. Les lanciers, c'est géré, donc du coup. With haste, I will. Suffer death. La chariote, elle va se faire dépouiller, c'est pas très grave. Their time has come. Tellement de chamans derrière. Bon, le flanc droit, c'est tendu du string. Hein. Manfred, faut que tu te replies. Ça a essayé de tenir le temps qu'il fallait tenir, mais là. Ça suffit les conneries. Et de libérer ton flanc gauche plus vite. Normalement les loups et autres, c'est fini. C'est bien urbain de ta part.
vous faites quoi? C'est fini le combat. Go. Peu de bol pour réorganiser un peu le flanc gauche. Hearken to my will. Preternatural. Nagash was weak. Witness true power. Attack the mortals. The living will join us. All before us will perish. Address thee as master. Bon, Manfred, il tank bien, hein, mais il perd, mais il tank bien. Ici, là, vous avez fini le taf, vous. Go. Corpse cat. Bon, ok, tu veux rester là, reste là, pas de soucis. Là. Le compte des aminés au boulot, ici, c'est parti. C'est un peu le bordel sur ce champ de bataille, là on est en train de se finir celui-là, même si ça pique un peu. Ici, il faut se replier. Ici, pareil. On a besoin de vous sur ce flanc. Des zombies qui ont poursuivi l'ennemi jusqu'au fond de la bataille. Voilà quoi. Venir soulager un peu Vladounet. Vladounet, c'est Manfred. Pas d'insulte. Ouais, les autres quoi. N'empêche, hein, il aura fait le taf à droite, hein, Manfred. Hein. Il y en a qui se reforment là. Pas besoin d'envoyer des unités pour ça, je pense. Oh, quoique. Les zombies là, ils sont tout proches. Garde des creeps là, au boulot. On aura perdu quelques unités, mais rien de fondamental non plus. T'es où toi pour te considérer en train de perdre? Ah d'accord, t'es engagé avec le chef. Pas l'idéal en effet. I will die and rise with haste. Qui c'est qui résiste encore là? Les orques noirs là. Ah non, il y a un con qui s'est reformé là. Oui, des zombies. Ça y est. Ça craque. Thy serve me. Still my beating heart. Come serve my will. Manfred, tu veux pas sortir de la mêlée pour aller filer un petit coup de soin à quelqu'un là? Avant que tes potes y finissent. Everywhere is death. Death magic. C'est le comte des aminés qui va le faire. Voilà. Hop. I hunger. Swift as death's wind. Quoi qu'il n'y a pas craqué là? Ouais, il faut juste qu'on fasse l'objectif, voilà. C'est de mettre en déroute tous les chamans. Justement, je le voyais pas le dernier. Il me semblait qu'ils étaient tous en déroute, ils devaient être planqués quelque part.
Bon, bah on a perdu 3 unités qui reviennent à la vie. Ça va? Les orques sauvages sont ceux qui ont fait le plus de dégâts, sans grande surprise. Oh, ça, toujours. Ah, et le flanc droit, je pense que, à mon avis, c'est là que ça va douiller. Les ghouls des cryptes, elles se sont fait annihiler, la petite charrette aussi. Mais Manfred, ça a permis de temporiser un peu pour que Manfred y tienne le flanc. Les gardes des cryptes, ils ont bien fait le taf. Alors, ah non, ils reviennent pas malheureusement. C'est pas très grave, mis à part les horreurs des cryptes, c'est vraiment des unités dont je voulais me débarrasser, donc Ouais, ça va. squelette et... Ouais, c'est vrai que les ordres de crypte, ça faisait... Mais ça fait plaisir, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Alors, en plus 10% de revenus issus des pillages post-bataille, plus 5% de corruption vampirique, moins 10% de coûts de recrutement, plus 6 d'attaque en mêlée, permet les attaques magiques, puissance des armes plus 10%, et la capacité passive, l'épée maudite, qui recharge de 0,10 par seconde les vents. Oh, pas mal. Ça valait le coup de l'infuser dans le pilier d'os. Maintenant, il suffit qu'on refasse un petit peu. Qu'on recrute un petit peu de quoi remplacer les troupes, vu qu'on vient de récupérer 5000 balles, ça tombe plutôt bien. Non, ça va, ça c'est bien. C'est bien rentabilisé. Ouais, ça c'est clair. Hop, ça on prend comme niveau. Toi t'es au max ici, on va te prendre ça. Il a bien fait le taf le héros revenant là, ça fait plaisir. Alors du coup on revient à 100% de remplissage de troupes en un tour. Qu'est-ce qu'on peut recruter de cool? Une petite comme ça. Perturbation. Alors toi tu fais quoi par rapport à genre toi? C'est exactement pareil niveau stats, c'est vraiment la perturbation magique à la place de la régénération de masse. Je préfère la régénération de masse en vrai. Sinon, il nous faudra un petit lancier de plus, on a plus d'archers, on a plus de guerriers squelettes, mais on va dire qu'on peut passer au niveau suivant. Alors là, du coup, je peux prendre qu'une unité supplémentaire. J'aimerais bien un Vargeist, mais je peux pas en prendre. Donc on va se prendre une unité comme ça. Voilà, on est revenu à 20 pour faire la deuxième quête tout à l'heure, au pire. On va se préparer un petit assaut sur, sur Scarbrand. Enfin, sur ses villes, hein, parce que lui-même, voilà quoi. On va y aller doucement. Ici, est-ce qu'on peut améliorer là? Ah, il faut 4 de trucs, putain, on avance pas. Ah mais ce que je viens de dépenser ici. Non, on va économiser plutôt, on va aller chercher le petit boost de croissance. Je vais monter cette ville au niveau 4 pour pouvoir faire des banshees, hein. Débloquer ce truc là. Faire des banshees, c'est la priorité. Ici par contre on pourrait faire ça, ça serait peut-être pas mal. Et là, si on veut améliorer un truc. Ça c'est un endroit stratégique pour les rois des tombes, donc on s'en fout. Là, c'est un endroit stratégique, pas pour les rois des tombes. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ici? Bah rien en vrai. Donc ça doit être juste pour les rois des tombes quand même. Par contre, on pourrait faire de l'or. Hein. Donc je pense qu'on va attendre pareil
On va pas faire ça, on va accumuler un petit peu pour aller chercher le 2 ici. Du coup on va garder la thune et on va pas passer le tour parce qu'il faut arrêter l'épisode, donc on va arrêter l'épisode là, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, à dire ce que vous en pensez, à donner des noms si vous voulez rejoindre l'aventure, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao tout le monde. Salut.